81, Antoine Battestine, vous êtes incarcéré, vous faites partie des militants du FLNC Amnistie. On va voir quelques images, je vais vous demander de les commenter, on les a regardées ensemble tout à l'heure en régie. Ça se passe à la prison de Fleury-Mérogis. Vous êtes incarcéré et vous êtes avec les hommes qui manifestent. Racontez-nous ce qui se passe. Alors, nous savons que nous sommes amnistiés. Beaucoup de prisonniers de cette époque-là, notamment les gens qui sont prévenus, sont libérés au fur et à mesure, toutes les semaines, il y en a 2, 3, 4 qui partent. Et puis il y avait un détenu que tout le monde connaît, tout le monde se rappelle, c'est Serge Kachar, qui lui n'était jamais libéré. Le plus ancien détenu nationaliste. Le plus ancien, ça faisait 6 ans, donc comme il avait été condamné à 10 ans de mémoire, donc ça faisait 6 ans qu'il était en prison, et jamais il ne l'appelait pour être libéré. Donc un beau jour, on n'avait jamais vu ça dans les prisons françaises, le directeur de la prison vient nous voir en nommant 2, 3 personnes, en disant « préparez vos affaires, vous êtes libérés ». Et à l'unanimité, ils ont dit « non, on refuse de sortir tant que vous ne libérez pas Serge Kachar ». À la suite de ça, donc on a bloqué la prison et on a occupé les lieux. C'était la première occupation militante d'une prison sous l'ère Mitterrand.